Bonjour, ici Etienne 907 pour le SPQC et je viens de perdre plein de cash dans Kingdom. Alors, quand je suis revenu à base hors caméra, j'ai remarqué que mes soldats étaient rentrés. Ça veut dire qu'ils ont réussi à péter le portail sans aucun problème parce que je vois. Là, c'est la plaine, c'est une nuit donc je vais attendre avant de renvoyer des soldats à l'attaque. Parce que oui, je vais bientôt renvoyer encore mes soldats à l'attaque. Ça se peut que ce soit le dernier épisode de cette semaine. Kingdom plutôt, devrais-je dire. Pas de cette semaine. Enfin bref. Ouais, dès que je les ai vus rentrer, je me suis dit « Yes sir! » La lune est bien flash aujourd'hui, on dirait quasiment qu'on est le matin. Je me suis dit « Yes sir! » C'est la bien première fois que je vois mes soldats réussir à péter la gueule à une tour, à un portail sans aucun problème. Pourquoi il y a une toune bizarre de même? Est-ce que c'était un genre de bug? Non, ok. Ok, c'est juste une toune bien régulière. Non! Perds pas le cash. Garde le cash comme faut. Yes. Allez-y, retournez à l'attaque vous autres. Sauf que cette fois-ci, je vais vous donner plein de cash. Juste pour être sûr que vous réussissez votre mission. On va aller se clamer ces deux-là. Donc, ok. Ils sont ici. Putain, prenez donc cette quantité-là de cash. Donc, comme je l'ai dit, cet argent-là va pouvoir leur être utile à défendre, à se défendre. Ouais. Et il va. Le chevalier qui a ramassé le cash va pouvoir se faire frapper plusieurs fois. Au lieu de 3 coups maximum, genre. Parce que justement, leur santé, c'est 3 coups. Comment ça, j'ai encore des doutes qui sont recrutés par les autres. En tout cas, je comprends. On va prendre ce cache-là. Parce que je vais aller activer. Je vais aller m'assurer que les tourelles à gauche soient activées à fond. Parce que je vais en avoir le besoin qu'ils soient activés à fond. Alors, let's go. Why not? Non, il va dans, donc au campement. Les autres aussi. Let's go. Peu importe ce qu'ils me donnent, ça peut être des marteaux ou pas, ça me dérangerait pas pendant tout, ça va être utile pareil. Voyons. Drop pas le cash, mets-le sur la statue, s'il te plaît. Merci. Good, ok, maintenant la tour, la statue d'archer, good. Elle est encore à 2, donc ça va être utile. Je vais la remettre à 3. Tiens, et voilà. Mes archers devraient être très bons pour viser maintenant. Ce qui est très utile. J'ai fait un drôle de petit achat. Je me suis acheté un calendrier avant de Noël, là, juste pour mon pur plaisir d'enfant. C'est assez marrant. Et j'ignore pourquoi j'ai fait ça, mais c'est pas grave, ça coûte pas cher cette affaire-là, donc why not? J'ai du plaisir à l'ouvrir, on est déjà rendu au 9e jour. Oui, 9 jours! Il en reste plus que... Hey, tweet, donne-moi mon cash. Il en reste plus que 16 avant Noël, gang! 16! 16 avant Noël! J'ai hâte de voir Noël. J'ai hâte de, que mon filleul ouvre son cadeau. J'ai hâte. Bon, c'est sûr que c'est. Il est encore 2 ans, donc il n'y aura pas beaucoup de réactions à voir le cadeau, là, mais. Tout de même, j'ai hâte de voir pareil. Let's go, les gars, prenez-vous des arcs. Avec le dos, m'amène une tonne de marteaux ou une tonne de de faux pour la ferme. Allez, rentrez à base, gang. Espérant que ça soit pas une pleine lune. Parce que si c'est une pleine lune, ben mes soldats de la droite sont foutus. C'est sûr à 100% qu'ils ne résisteront pas à l'attaque. Qu'ils vont recevoir la preuve, ils sont morts. Attends, ils sont morts avant que la lune tombe. Huh. Est-ce que ça veut dire qu'ils ont réussi ou pas? Allez vite, rentrez à base. Rentrez à base avant que les soldats arrivent, avec les monstres arrivent. Il y en a un là. Prenons une cache, toi. Intéressant. Il y en a que 2, ça veut dire qu'ils n'auraient pas vraiment réussi à péter le portail. Ouais, non, ils n'ont pas réussi à péter le portail. C'est dommage. Je vais aller me recruter des boucliers encore une fois.
Bouclier, gang. Go. Allez, reprenez vos shields et tout. Je vais des soldats à gauche. Non, à droite. Ouais, il y en a de plus proche à droite, donc je vais aller en recruter à droite. Je vais renvoyer des soldats. Oh, l'attaque! Fuck. Attends, ça veut-tu dire qu'ils ont réussi à péter le portail? Oui, le sec. Non, retourne donc derrière le mur, toi. Ouais, what? Ils ont-tu réussi à péter le portail? À moins que les nuits se soient rendues qu'ils sortent de même, les soldats. Voyez-moi. Je penserais pas qu'ils aient réussi à péter le portail. Mais on va aller voir pareil. Je vais marcher un peu plus parce que je voudrais pas devoir fuir puis être en danger. Donc le premier portail est pété, ça je l'ai vu. Ok, on va recruter les soldats qui ont perdu le combat ici. S'ils sont ici à avoir perdu le combat, je pense pas qu'ils aient réussi à péter le portail, ouais. Ils ont dû se faire attaquer à mi-chemin. Ah, man, si ça veut dire que les monstres sortent, des gros monstres de même la nuit, je suis peut-être dans merde. Je vais aller voir si j'ai un deuxième chevalier de recruter, puis je vais renvoyer tout de suite une deuxième vague de soldats à attaquer le mur, attaquer le portail. Mais ou sinon, il va falloir que je m'expande vers la droite pour que mes soldats aient moins longtemps à marcher et qu'ils puissent réussir à péter les portails. Ça serait mon plan, ma seule idée de réussir à péter leur portail. C'est sûr que ça va diminuer ma chance d'avoir du cash vers la droite, mais au minimum, j'ai une ferme qui est à gauche qui va pouvoir me donner du cash à fond. Qui va pouvoir me donner du cash jusqu'à la fin des temps. Ok. Mon deuxième soldat est pas recruté, donc je vais attendre. Les soldats de droite que j'ai recrutés, je pense pas qu'ils vont se rendre en une nuit, hein. Yeah, dang it. Retournez vers la droite, je vais essayer de les retrouver. Vous autres, retournez donc au campement. Je vais prendre ces caches-là, mais retournez au campement. Je vais m'assurer qu'ils réussissent à rentrer, eux autres, je vais donner du cash au monde. Au monstre, plutôt, pas au monde. Let's go, les gars, retournez à la base. Vous allez avoir plein de stock à faire. Vous allez avoir du travail à faire, vous autres. Je vais attendre un peu ici. J'espère que ça soit pas une pleine lune. Si c'est une pleine lune, ben, quoi que, non, je pense que je serais capable, pareil, de donner assez d'argent pour les monstres de la pleine lune. Puis de retenir les monstres de la droite. Let's go, les gars. Avancez. Ralentissez pas, les dudes. Mes chers soldats. J'ai besoin de vous autres à la base au plus vite. Oh. Yes. 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 Ok. Oh god, y'en a ben trop qui sortent des portails, c'est dégueulasse. Allez, prenez votre cash. Bon, il y en avait donc ben. Ah merde, oui, il y a des monstres de même qui sortent la nuit. C'est pour ça que mes dos ont de la misère. Donc je pense que je vais prendre mon deuxième plan puis je vais essayer d'avancer vers la droite pour faire en sorte que mes soldats aient moins long à traverser. Parce que disons-le, la longueur qu'ils ont à traverser, puis s'ils doivent combattre ça à chaque fois, ça les aidera pas. Ça l'aidera pas partout. Ils réussiront pas. Allez, frappez le temps que mes soldats, mes chers recrues rentrent à la base. Good job. Ok, rentrez, go, let's go les gars. Holy shit! Good lord! Où est-ce que vous avez pogné tous ces caches-là, vous autres? Le marchand, c'est quoi qu'il a amené? As-tu amené des marteaux? Je ne saurais jamais, ils l'ont déjà pogné. Let's go les gars, prenez-vous des arcs. Ok.
Est-ce que j'essaie d'expand avant de les envoyer? C'est sûr que ce serait une bonne idée de les faire avancer pour qu'il y ait moins de chemin à faire pour la nuit. Ce que je vais espérer, c'est qu'il y ait un mur genre dans ce coin ici, sans que j'aille à déliter ce petit portail ici là. Autant donc au campement aussi. Parce que sérieusement, j'ai besoin de trouver une façon. Je pourrais les envoyer là encore attaquer. Oh, putain, ouais, on va les envoyer tout de suite attaquer. Je vais essayer d'expandre pareil là, mais je vais espérer que je sois capable de péter le portail sans devoir m'expandre trop vers la droite. Sinon, il va falloir que je me rende jusqu'au portail et que j'essaye de péter le portail avec mes soldats super proches d'eux autres. Plein de cash! Holy shit, t'es bien riche, toi! Restez dans ma pouch, s'il vous plaît, merci. Gardez votre cash, j'en ai pas besoin, je suis trop plein. Je risque d'échapper tout le gold que vous me donnez, alors restez là. Éteins-toi, va-t'en donc au campement. Donne le nom de la job à mes soldats. Je vais aller recruter tous les soldats de la gauche. On se veut dire 6. Hein. Est-ce que c'est une pleine lune? Est-ce que j'entends de la musique si on dirait que c'est une pleine lune? Je vais juste espérer qu'il n'y ait pas de monstres vers la gauche. Parce que si c'est une pleine lune, les soldats de la droite, c'est sûr à 100% qu'ils sont morts. Il n'y a aucune chance de survie avec ces soldats-là. C'est sûr à 100% qu'ils vont s'être fait ramasser par la vague de monstres. Ok, non, c'est pas une pleine lune. C'est juste une lune, tout court. Le seul problème que c'est sûr que... Non, il va falloir que j'expande vers la droite. Parce que à toutes les nuits, il y a des gros monstres qui sortent. Puis mes chevaliers, c'est sûr à 100% qu'ils seront pas capables de péter, de tuer ces soldats-là. Donc je vais devoir m'expandre vers la droite définitivement. Puis garder la gauche comme recrutement. Et espérer qu'il n'ait pas réussi à péter le portail pendant que je m'en allais vers la gauche. Parce que si c'est le cas, je suis dans la merde. Ok, non, c'est correct. Bon, retournons au campement. Faudrait que je compte les campements quand j'en passe. Les petits campements de même, là. Faudrait que je les compte pour savoir quand est-ce que je dois tourner à droite. Let's go, les gars. J'avais une longue trotte avant d'arriver à base. Oh god. Ah oui, c'est une pleine lune. Oh, ok. Alors, mes dudes de la droite ont zéro chance de survie. 60% qui sont morts. They are all dead. Ils sont tous morts, sûr à 100%. C'est dommage que je puisse pas augmenter mes soldats. Ça serait vraiment hot. Augmenter mon mes chevaliers, là. Et acheter une meilleure armure ou meilleur équipement. Ou même d'en avoir un troisième chevalier. C'est sûr que ça rendrait le truc un peu peut-être un peu trop facile. Le jeu serait peut-être un peu trop facile, donc... C'est peut-être pour ça qu'ils font pas d'upgrade. Tout ce que je sais, c'est qu'ils veulent continuer à rajouter du stock, donc ça pourrait être toujours intéressant à jouer au jeu, mais... Peut-être pas faire une série encore, à moins qu'ils rajoutent de quoi de vraiment, mais vraiment gros au jeu. Sinon, je vais juste attendre. Je vais juste finir la série, essayer de finir... essayer de péter le dernier portail. Ce qui risque d'être assez tough, merci. Est-ce que je vois... Ils sortent des gros monstres à tout bout de champ. Ok, cool. Est-ce que vous avez du gold encore à me donner? Oui, merci. Vous autres? Non? Oui? Oh, yes! Ok. Merci pour ce gold-là. Oh, shit. Ok, c'est good. Il est pas tombé dans l'eau minimum. Holy shit! Oh, ok. C'est une tonne de fermi que je viens d'avoir. Holy shit, j'en ai du monde. Ah, attendez. Allez, je veux un chevalier. Je veux des chevaliers, gang. Merci. Holy shit. Merci pour tout ce gold-là. En tout cas, je vais en avoir plein une ferme à gauche. Ok, voyons voir. Est-ce que j'ai des soldats de la droite qui ont péri? Proche de la base. Oh boy! Ils ont pas eu le temps de se rendre loin, hein, mes soldats. Cibole.
Allez, recrutez-vous. Oh God, ils ont perdu vraiment gros. C'est atroce. Ok, donc je vais faire mon plan d'expand vers la droite. Alors, coupons la forêt entière ici. C'est sûr que j'aurais pu le campement, ce petit campement-là pour recruter des soldats, mais je vais pouvoir au minimum construire un mur juste ici. Puis faire en sorte que mes soldats aient moins long à bouger, à aller vers la droite. Et qui sait, je pourrais peut-être même me construire une autre ferme juste ici pour avoir plus de cash encore. Sans avoir à aller à gauche complètement. Oh my god, checkez-moi ça, tout le monde que j'ai. Good lord. C'est n'importe quoi comment j'ai recruté autant de soldats. Ouais, c'est définitivement mon plan. Je vais expand vers la droite puis essayer de péter le portail en rapprochant mes soldats qui aient moins de chemin à faire. Let's go, allez, coupez-moi cet arbre-là. Tout ce que je vais espérer, c'est qu'il n'y ait pas énormément de monstres qui sortent du portail quand mes soldats attaquent le portail. Parce que merde. Ça fait que je suis en danger à chaque fois, si c'est le cas. Allez, coupez-moi ces arbres-là. Tu n'aurais plus ce campement-là à droite, mais c'est pas grave. Tournez à base. Est-ce qu'il y a un mur juste ici? J'aimerais savoir s'il y a un mur juste là. Ce serait vraiment un emplacement parfait. Ce serait parfait. Ce serait idéal. Hey, my god, la forêt a disparu assez vite. Merci, hein? Oh, hey! Salut, toi! Va-t'en. Merci. Ok, ben bon. Est-ce qu'il y a un truc juste ici? Est-ce qu'il y a un mur juste là qui aurait été caché par la forêt? Est-ce qu'il va falloir que je coupe encore plus vers la droite? Peut-être falloir que je me rende jusqu'ici. Ce serait un point à faire. On va voir. Le portail, il est où? Il est vraiment loin, sérieusement. Hey, salut toi. Dans donc au campement. Y'en a-tu un deuxième? Ouais. Ils sont supposés d'en avoir deux au campement. Oh, t'es actif, toi? Actif. Non, pas actif. Oh! Non, t'es actif! Oh! Oh god! C'est bon, je m'en vais. Ok, c'est bon. Je ne m'approche plus de ton portail. Moi qui pensais que tu t'activais pas. Oh god! Ouh! Ok. Ouais, donc il n'y a pas de gros monstre qui sort pendant que mes soldats attaquent par contre. Qui est intéressant. Ok. Je vais construire un mur plus à la droite. Je vais renvoyer une attaque. Une attaque. Ouais, je vais renvoyer une attaque au plus vite. Donc, let's go. Ah ouais, avance. Ah ouais, avance. Bouge ton train, mon cheval. Bouge ton derrière. Attendez. On va regarder quelque chose avant. 18 minutes. Ouais. Je vais faire un épisode ici. Alors, on va se reprendre dans un autre épisode. Je vais essayer d'expandre vers la droite parce que 32 jours, ça veut dire que ça va être assez tough. Merci. Donc, c'était Étienne 907 pour la TPQC et on se revoit à la prochaine, tout le monde. Bye bye.